Salut à toutes et à tous amis gamers, mon nom est Choi et bienvenue au Choi's Gaming Show. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de notre petite partie de Civilization 5 Brave New World au contrôle de l'Empire allemand, dans notre tentative de conquête du monde et de victoire par domination. Une victoire par domination qui est plutôt bien partie. On avait réussi avec grand succès notre arrivée sur le territoire, sur l'autre continent et sur le territoire des Incas. Et nous allons pas tarder à faire notre marche vers Cusco. Voilà, on va faire notre marche vers Cusco. Combien de temps il nous reste avant la paix? Ah, on peut déjà le faire. Juste pour voir comme ça, il me filerait Wamanga. Il me filerait Wamanga. Alors non, je préférais qu'il me file Koriwa machin. Bref, on va aller sur Cusco et on va choper cette ville-là. Voilà, comme ça nous fera trois villes directement sur ce territoire, avec une ville en plus qui est directement de ce côté-là de la mer. Donc c'est nickel. Parce que après va falloir penser à marcher sur Marrakech. Et ça va être une autre paire de manches. Mais bon, on va pouvoir s'en sortir, je pense, sans trop de soucis. Voilà, donc bon. On y est, bien comme il faut. Va falloir s'y mettre. Et continuer à marcher sur Cusco. Je pense qu'on va aller sur Cusco rapidement. On va laisser quelques unités peut-être en arrière pour défendre si jamais il envoie des choses de là. Et une fois qu'on aura fini Cusco, on rebifurquera par là-bas. Et pourquoi pas en fait même marcher sur Tiwanaku. On va voir. Puis quand il viendra nous demander la paix, on verra ce qu'il a à nous offrir. Et puis on avisera en fonction de ça. Sinon, bon, on va commencer à regarder un petit peu les notifications qu'on a. Bruxelles, on sera bientôt plus alliés. Oui, ça c'est pas cool. On va voir si on n'a pas des quêtes qui arrivent d'ici peu. Fin du traité de paix avec Boadicée et fin du traité de paix avec Mogadiscio. Très bien. Nous sommes les nouveaux organisateurs du Congrès mondial. Donc c'est très bien. Impossible de voler à l'Indonésie. Et il complote contre Boadicée. Très bien. Et pas de soucis. Alors, on peut pas voler. On peut pas voler. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'envoyer sur Tiwanaku, histoire de voir ce qu'il y a là-bas. On va l'envoyer sur Tiwanaku. Hop. Les Incas, Tiwanaku. Voilà, ça nous permettra d'avoir une petite vision sur le territoire. On a des promotions d'unités. Toi, t'as déjà marche. Eh bien, on va te mettre un petit blitz. Un petit blitz, bien comme il faut, voilà. Comme ça, tu vas devenir très très fort. Ensuite, qui d'autre? Toi, tu vas pouvoir choper Choc 3. Et ce sera très bien comme ça. On va se charger de cette mitrailleuse Gatling de la manière suivante. De la manière suivante. Toi, tu vas venir ici et tu vas faire ça. Voilà. Voilà comment on va s'en charger. Comme ça, on peut faire un petit peu de place pour nos autres troupes. Toi, tu vas remonter par ici. Là-haut, on va mettre lui, cuirassé à vapeur ici. Très bien. On va le soigner, celui-là. Toi, on va te soigner un petit peu. Ensuite, il faut qu'on aille sur Cusco. Alors, Cusco, ça va être plus compliqué de la tomber.
Toi, on pourrait te faire piller. Ça permettrait de lui faire regagner quelques points de vie. Et avancer derrière ça. Toc, toc, toc. Eh bien, pillage. Et toi, pillage également. Et avantage ici. Toi, tu vas pillager ça histoire de reprendre quelques points de vie. Et partir en arrière. Et là, on va pouvoir faire des trucs assez rigolos qui s'appellent améliorer nos canons en artillerie. Yeah! Trop de la bombe de balle! Cette mitrailleuse Gatling. Je sais pas trop ce qu'on va en faire. On a aussi lui. Parce que là, j'ai peur quand même de prendre un sacré coup si j'avance trop mes unités. J'ai pas envie de perdre mes unités les plus puissantes. Donc, ce que j'aimerais bien faire, c'est. Par exemple, amener lui ici. Lui, on va quand même lui faire, voilà, attaquer la Gatling, ce sera bien. Lui, il risque d'y passer, mais bon, il est pas trop fort. Toi, on va t'amener sur le devant. Toi aussi, juste derrière. Ce qui va nous permettre de faire monter nos artilleries qui sont ici, sur le terrain. On va sortir lui. Non, on va le laisser dans la ville lui. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire débarquer nos artilleries ici comme ça. Je pense que ça devrait pas trop poser de soucis. Donc, on va te soigner tant que t'es là. Et nos frégates, par contre, on va les emmener quelque part. Alors, est-ce qu'il reste un petit emplacement? Non, tu vas te mettre là. On va commencer à amener nos frégates par ici. Hop. Et nos cuirassés juste derrière. Très bien. Toi par là. Frégate ici. Frégate ici. Vous restez là, vous restez là, vous restez là, vous restez tous là. Toi, tu vas remonter par là-haut. Cette frégate-là va continuer à avancer. Celle-ci va repartir vers le front. J'ai besoin de vous, j'ai besoin de vous. De ce côté-là. On va, hop, balancer. Elle par ici. Toi du coup. Alors là normalement, il y a moyen de te faire attaquer ça. Très bien. Celle-là, on va aussi pouvoir la mettre dans le coin quelque part. Du genre ici. Toi tu vas rester là pour le moment. Ce bateau-là va aussi hop, repartir vers là-haut. Ce serait bien quand même qu'on chope Bucarest d'une manière ou d'une autre. Donc là, on va faire ça comme ça. Ce lancier va se soigner. Les frontières ici se sont étendues. Très bien, très bien. Berlin, 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 Berlin. Tu vas nous balancer une petite bourse. Il faut qu'on remonte quand même nos finances.
Et ici, toi, eh bien toi, je vais te laisser ici pour l'instant. Toi, on va te faire les... Hey! Ici. Notre artillerie là, elle ne peut pas... Ah, elle va repartir par là-haut. Ce sera mieux. Et toi, il te reste qu'un déplacement, donc on s'en fiche. Qu'est-ce que tu faisais toi dans le coin? Tu avais fait un comptoir commercial. Tu vas aller par ici pour les rails qui vont pas tarder à arriver. Et le siège de Bucarest continue. Et il nous faut de la puissance de feu. Toi, on attend. Hop, toi. Tu balances le Chowisma Sofia. Ça y est, là. Non, toujours pas. 7 adeptes seulement. Encore un coup alors. Et là, bah toi, on va te soigner ce tour-ci. Toi, tu vas pouvoir rester ici. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Tout le monde est couvert par nos généraux. On va pouvoir passer au tour suivant. Qu'est-ce que tu faisais, toi? Qu'est-ce que tu faisais? Ah bah voilà, là, regarde. Un comptoir commercial à faire. Attends, pour te fortifier. Ici, on a tous nos ouvriers qui sont alignés, prêts à l'arrivée des chemins de fer. Comme ça, bah ça se fera tout bien en même temps. Et après, on pourra aller vers Dortmund. Nickel. Ce missionnaire-là. Oh. Oh, je me disais aussi. Ils ont faim, eux? Pas possible. Ce missionnaire-là, on n'a qu'à l'envoyer vers Anvers. Bon, bah, apparemment, toute notre route par ici, elle est prête. On va enquiller vers une petite liste d'ouvriers pour relier Dortmund, partir vers Ossininka, puis les autres partiront pour relier Munich, New York, Washington. Et tout le tralala. Oui, bon bah dénonce-moi, hein, vas-y, il n'y a pas de souci. Alors, tu viens avec ton traité de paix, mais malheureusement, je me vois dans l'obligation de refuser. Parce que je veux ta capitale, en fait. Donc ça va pas le faire. Voilà, donc ça, je m'y attendais un petit peu. Ce qu'on va pouvoir faire là, ça va être des choses plus rigolotes, dans le genre ça, tu repars. Ensuite de ce côté-là, on va pouvoir faire ça, et puis peut-être ça, ça comme ça. Ensuite, on va te soigner, toi. On va te mettre en alerte par ici. Là, on a besoin d'avoir notre religion. Et tout ça, on va mettre bombardement, bombardement, bombardement. Tout le monde a du bombardement. La population de Berlin qui continue à augmenter. Excellente nouvelle. L'Indonésie qui nous a dénoncé. Et on va pouvoir choisir des constructions. Munich, ils ont encore des choses à faire quand même. Hein. Il y a surtout la bourse qui pourrait être intéressante. Là, on va goupiller la bourse. Je pense que niveau troupes, on a largement ce qu'il faut maintenant. Que ce soit pour conquérir là-bas ou pour conquérir Bucarest. Il n'y aura pas de soucis. La bourse ici. Washington, pareil, tu fais un petit interlude bourse. Et Francfort qui vient de terminer son cirque. Eh bien, Francfort va pouvoir nous faire peut-être un port, en fait. Ça pourrait être sympa. Pour avoir la route, la connexion maritime.
Et surtout pouvoir passer au port derrière, parce que lui, le port, il pourrait en tirer parti un petit peu. Bon, ça reste relativement difficile de construire des choses, mais il y a quand même une bonne croissance là-bas. Puis on va pouvoir balancer. Bon, la bourse c'est pas très très intéressante, mais quand même. Balance un port, toi. Ici, toi, on va t'installer, puis tu vas commencer à pilonner. On pilonne, on pilonne. On pilonne tout ce qu'on peut pilonner. Toi, tu vas du coup aller te caler ici. On peut pas mettre de d'artillerie et tu vas continuer à attirer les coups. Ah bah non, sauf que c'est notre cuirassé à vapeur qui a pris les coups, j'ai l'impression. Parce qu'il y avait la ville dans le coin et on n'a pas fait très attention. Toi, tu restes là. Hop, on a besoin de monde sur le front. On envoie du monde sur le front. 1, 2, 3. Donc là, c'est bon. Par contre, de ce côté-là, ici, il n'y a personne. Tout va bien. On envoie la frégate. Et j'ai besoin de renfort. Amenez-moi du renfort, du renfort. Beaucoup, beaucoup de renfort. Alors là, maintenant, il va falloir. Installer toutes nos unités. Donc là, si on vient ici, on va pouvoir faire pioup. Voilà, commencer à attaquer tout ça. Où est celle qui peut attaquer deux fois? Elle est là. Donc quelle on va la. Parce qu'elle, en fait, je voudrais qu'elle reste hors de portée. Parce que ce qu'il y a de bien, c'est que si on la met hors de portée, elle peut faire pouf, deux attaques et repartir. Donc elle est super importante. Donc on va la caler par ici. 2, 3, 4, et elle peut toujours attaquer un coup. Donc elle, on va l'amener ici. Et elle, on va l'amener là. Et on va lui faire faire ça. Voilà, donc là, c'est parfait. Ensuite, on a nos cuirassés qui sont derrière, qui attendent. Il n'y a pas de problème. Ouais, fais-moi une mine. Et toi, bon, on va te fortifier ici, t'es très bien. Toi, tu vas aller ici, on va te fortifier. Et toi, tu vas aller voir ici si j'y suis. Yeah! De ce côté-là, bah, y a encore deux. Deux endroits pour mettre nos artilleries, donc on va s'en donner à cœur joie. Et encore par ici, du coup, il va falloir commencer à installer tout ce bazar. D'ici un. Non, alors là, on peut pas attaquer d'ici. Par contre, d'ici avec une artillerie, oui. D'ici. Ah oui, mais non, mais il y a plein de. Le problème, c'est qu'il y a plein de bordel devant. Il y a plein de collines, donc ça va être compliqué d'attaquer quoi que ce soit à partir de là. Toi, tu vas t'installer. Toi, on va te faire avancer. Là, toi, il faudra te faire avancer d'un cran. Cette cavalerie. Est-ce qu'on peut? Non, on peut pas faire ça. C'est déjà pillé ici. On va la faire partir par là, espérer qu'elle attire les coups. Du coup, j'aurais peut-être dû faire avancer mon artillerie par là-haut. Au lieu de la faire s'installer, c'était pas forcément très malin. Toi, du coup, tu vas pouvoir peut-être t'avancer d'un cran. Et toi, on va pouvoir te soigner à ce tour-ci. Toi, t'as plus rien à faire. Cette artillerie-là, par contre, pouvoir débarquer. Par contre, ici, peut-être, on pourrait mettre une artillerie. Là, il y a un emplacement d'artillerie intéressant qui peut tirer. Là, là aussi. Donc là, il y a deux emplacements d'artillerie qui sont sympas. Mais il faudrait amener quelques troupes pour défendre, parce que sinon, ça va être compliqué.
Bah toi du coup tu attends un cran. Bah on va faire ça assez rapidement du coup. Vous deux. On sert à rien de vous faire interchanger. Par contre cette artillerie là, voilà on va faire descendre ces deux artilleries, on va les emmener vers l'eau. Celle-ci par contre devrait ne pas avoir de problème, elle est là. Même voilà, si c'est pas forcément malin d'emmener les artilleries sur le front, ça nous permettra peut-être d'en placer une ici et essayer de faire le tour avec les autres. Bref, on va voir ce qu'on peut faire. Lui, il est très bien là où il est. J'ai dit, il est très bien là où il est. Bah, toi, tu restes là. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire ici? Qu'est-ce qu'il va nous faire? Qu'est-ce qu'il va nous faire? On va avoir des pertes, voilà, ça. Je m'y attendais même fortement à ce qu'il chope mes frégates plutôt. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire venir toi là, et pouf, toi, tu vas monter là-haut, pouf. Toi, donc technique double attaque sortie de crise. Toi, technique attaque, hein, voilà. Toi, tu attends là. Toi, tu attends là. Par ici, on va avoir ça qui va aller là. Elle qui va aller juste derrière. Elle qui va pouvoir continuer le pilonnage, tout va bien jusqu'ici. Et ce gros con qui s'est placé là où je voulais aller. Hey, voyez-vous ça? Toi tu peux partir, vous deux. Vous êtes bien là où vous êtes. Toi tu peux... Oui, elle est là, c'est très bien, il n'y a pas de souci. Direction en face, notre amiral. Il va finir par y arriver. Notre unité éliminée, on n'est plus allié avec Bruxelles. Bon bah on va leur faire un petit don pour repasser allié, très bien. Cologne, population qui a augmenté. Essen, la population qui a augmenté. Et Munich, ils veulent de la loi de muscade. Alors sérieusement, ça existe ça, la noix de muscade? J'ai jamais vu cette ressource dans le jeu. Plus de truffes à machin et Gajamana n'a plus d'or. Lui, il a la noix de muscade. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? De la noix de muscade? C'est moi qui pète un câble ou genre c'est la première fois que vous voyez ça vous aussi? Ouais, on va dire que non en fait. Ciao. La noix de muscade attendra. Alors, de ce côté-là, comment est-ce qu'on va faire ça? D'ici, je peux attaquer la ville. Donc c'est parfait. Parce que normalement... Mais oui, normalement il y a le tir indirect. Je comprends pas pourquoi là-bas je pouvais pas attaquer la ville. Quelque chose qui m'échappe. Peu importe. D'ici. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça? On va commencer par peut-être... se débarrasser des quelques troupes qui sont un peu partout. Piup, piup, piup. Hop, 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 hop. Non, reviens, 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 reviens. Voilà, hop, comme ça.
Et ensuite, toi tu peux avancer. Du coup, là on a toi qui va pouvoir te caler ici et faire ça. Toi qui va pouvoir partir nulle part, vu qu'on va amener elle ici et elle juste ici. Toi on va pouvoir t'installer et te faire tirer. Toi on va te faire tirer. Et voilà qui commence à être nickel. Qui d'autre est en attente d'ordre? Toi, tu peux attendre ici. Toi, on va t'installer. Toi, tu peux attendre là. Toi, tu peux attendre là. Toi, tu peux attendre là. Cette cavalerie, eh, on peut la faire se barrer. Et bah, elle va se barrer. Maintenant, ce que j'espère, c'est que lui va survivre. Ce serait bien. Ce serait vachement bien. Qu'il puisse survivre. Bon, s'il peut pas, tant pis. C'est comme ça, c'est la vie. Il y en aura d'autres qui suivront. Celui-là, il peut pas faire grand-chose. Donc, il va rester là. Notre général va rester là. Et toi, tu vas te soigner. Toi aussi, d'ailleurs. Où est notre amiral? Où est passé notre... Hein? On avait bien un amiral. Ingénieur, général, général, général. Amiral illustre. D'accord, ah oui, d'accord, ok. Voilà. Je le voyais pas, il était caché en fait ici. Mais on a encore un peu de d'aluminium là, voilà. Une fois que Nedro va... Hey, cool. Un petit peu d'alu supplémentaire. Pas des alus, hein. Voilà. De l'alu. Parce que la drogue, c'est mal. Vous voyez. Vous deux, vous étiez en train de partir vers le... pour voir si on pouvait vous caler là-haut pour vous faire tirer sur Cusco. Chose qui risque d'arriver sans trop de problèmes. Toi tu vas rester là comme ça. Et puis bah, on va enquiller le tour suivant. Oui, il reste ici. On a des archéologies. Hop, on va foutre des artefacts allemands partout. Artefacts allemands. Faudrait qu'on fasse un petit tour quand même pour vérifier ce qui se passe du point de vue. Non! Non, touche pas à mes artilleries, toi. T'es pas censé choisir tes. T'es pas censé choisir tes cibles de manière intelligente. Vois-tu? Donc, tu vas arrêter, s'il te plaît? Hein? Ça m'arrangerait. Ok. On en a au moins un qui peut y aller. Y a un ouvrier là. Hop. On va le récupérer. Toi, tu vas passer ici, on va te faire suivre derrière. Ce bateau bah, pourrait en profiter pour Pioup, mettre un petit coup au passage. Celui-là va se barrer. Alors, est-ce qu'on va réussir à faire tomber Cusco? Là est la question. Là est la question du jour. La réponse a l'air d'être probablement oui. On va réussir à faire tomber Cusco. Il devrait pas trop y avoir de soucis. Et ah, ah, il y a lui aussi. Tiens, voilà. Et là, toi. Bim! Voir la ville. Plein, 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 plein de choses, des, même des merveilles. Cusco
cool. On va en faire une ville fantoche pour l'instant, comme d'habitude, et bien entendu, une fois que ce sera fini d'être en résistance, on va la passer dans notre empire. Voilà qui nous fait quand même... ça nous fait passer à moins 1. On va lui mettre exercice 3. Voilà, et toi... Attends, pouvoir te faire partir par là. Comme ça, c'est plus sympa. Et je pense pas que le lancier va réussir à capturer la ville au prochain tour. J'ai des doutes sur cet aspect. Là, par contre, nous, ce qu'on peut faire, c'est amener quelques-unes de nos troupes dans le coin. Voilà, du genre par là. Ce genre de choses peuvent être moult intéressantes. J'ai envoyé mon mec tout seul. Même un canon va pas faire trop de mal à une cavalerie, je pense pas. Tant pouvoir te soigner. Et par ici. Vous allez retourner par en bas. Toutes les deux là. Et puis on va vous envoyer. On va essayer de vous faire choper Shorini machin truc mûche. À partir de distance. Alors il faudrait qu'on ait quand même la vue. Ça serait sympa. Donc du coup on va peut-être envoyer une frégate supplémentaire qu'on va pouvoir caler ici qui va donner la vue. Et puis voilà. Et derrière, on aura des lanciers. Qu'est-ce qu'on a de beau? Sinon, au pire, on peut faire des allers-retours à nos lanciers pour voir, repartir, voir, repartir, voir, repartir. Ça marche très bien. On va faire ça, je pense, d'ailleurs. Plutôt. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre comme belle petite unité qu'on va pouvoir promener? Il y a toi qu'on va pouvoir emmener là-haut. Toi, tu vas rester par ici, et toi, tu vas continuer à te faire soigner, c'est très bien, comme ça. Toi, tu vas rester, tu vas partir, du coup. Tu vas partir, là-bas. Ensuite, alors, niveau artillerie, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut en avoir une. 2, 3, 4. Ouais. 4 artilleries. Et notre donc cavalier qui va refaire poup, 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 juste pour leur donner la vue. Donc il nous faudra amener 4 artilleries. Alors lui il est prêt à nous donner celle-là. D'ailleurs, toujours. Toujours. Le truc, c'est que je veux aussi celle-là, voilà. Hein. Et je prendrai aussi celle-là-haut, je vais probablement la raser, mais ça lui fera une ville de moins. Et ça, c'est toujours bien à prendre. De lui enlever une petite ville. Celle-ci, je vais la garder, par contre. Elle est, ma foi, fort intéressante. Et Cusco, bien évidemment. Bon, voilà, Cusco. Voilà, Cusco. Ok, Mogadiscio nous échappe. Population de Munich a augmenté, c'est parfait. Ils veulent du crabe. Achat automatique avec de la foi. On a un nouveau missionnaire, c'est très bien. L'espion a fui lors de la capture de la ville. Chez qui je vais pouvoir l'envoyer? Niveau des technologies, je vais l'envoyer peut-être à Marrakech. Je
Je vais l'envoyer quand même à Marrakech, on va voir ce qu'il arrive en tirer, c'est quand même notre espion niveau 3. Les Incas ont perdu leur capitale, les frontières de Machu se sont étendues. Ok, très bien. Et on va pouvoir choisir une construction de notre côté à Berlin, qui a terminé sa bourse. Oui, bah... Alors, est-ce qu'on continue le côté maritime ou pas? Là est la question, sachant que combien il nous reste. Liste des unités. Bon, des artilleries, on a tout ce qu'il faut. La cavalerie, on en a pas mal. Mais je vais attendre un petit peu avant d'en foutre plus, que ça puisse être augmenté. Il y a les cuirassés à vapeur. Les frégates, on en a un sacré paquet. Cuirassés à vapeur. Ouais, ce qui va commencer à manquer, par contre, ça va être des unités de corps à corps. Ça va être des unités de corps à corps. Le truc, c'est qu'on va partir sur la combustion, donc là, on va avoir pas mal de trucs style Destroyer V. Et que l'amélioration fusillée, elle vient relativement après... Les frégates, ça vient dans longtemps, c'est vrai. En fait, je pense que je vais glisser quand même là-dedans quelques petites choses, genre le commissariat et la compagnie des Indes. Et après ça, on repassera peut-être en mode armée. À Cologne. Donc là, les hôpitaux, ça sert plus à grand chose. Des jardins, non. Des commissariats. Je pourrais mettre des commissariats un petit peu partout. Hein. Ça pourrait valoir le coup. Et je pense d'ailleurs que c'est ce que je vais faire. Commissariat dans tous les sens. Sinon, on va re-avoir besoin de quelques ouvriers. Donc on va peut-être construire quelques ouvriers. Voilà, pour... relier tout le monde en chemin de fer le plus rapidement possible, et puis bah, aller nous occuper de l'autre côté. Il va nous falloir une jolie armée d'ouvriers, bien comme il faut. Unité en attente d'ordre. Oui, donc bah, toi tu vas te soigner. Toi tu vas te bouger avec lui, qui va se soigner. Toi tu vas venir... l'escorter juste. Tiens, grimpe aussi toi. Grimpe par là-haut. Ah non. Non, il m'en fallait une qui descend. Ah bah non, elle est là. Elle est là, il n'y a pas de souci. Mais elle va se faire fumer. Elle risque de se faire fumer par la ville, alors que elle... va pouvoir descendre, donc je pense qu'on va faire ça au tour d'après. Tiens, toi tu grimpes là-haut, t'y es très bien. Toi on va te fortifier, toi on va te fortifier. Toi on va te mettre en alerte juste si quelqu'un arrive. Tu me le dis, je t'en serai gré. Toi, tu ne vas plus bouger. Et notre amiral va faire son chemin. Toi on va te laisser te faire soigner. Toi tu passes ici. Et voilà! Sauf lui qui ne sait pas trop où foutre pied près d'Anvers, t'as qu'à dire ici. Bah voilà, tout ça est switché à notre côté. Une archéologie à choisir. Hop! Et on va se terminer là-dessus. Bah ça me paraît bien. Ça me paraît bien. Ouais, vas-y, y'a pas de soucis. Toi, y'a pas de problème. T'es tellement dans le fond du trou que je veux bien te filer des trucs. Un ennemi est proche. Un savant illustre. Et les voies ferrées. Dans la propulsion des véhicules de transport marquera grandement l'évolution de la société. Donc, savant illustre né à... Ah où ? À Hambourg. À Hambourg. On a les chemins de fer, donc juste... Je vais arrêter la vidéo ici, hein, mais avant
que j'oublie. Je vais sélectionner tous les ouvriers pour qu'ils se mettent à faire des chemins de fer tous en même temps. Sinon, je risque d'oublier la prochaine fois et ce sera un petit peu couillon de ne pas faire tout ça. Et là, dans ce sens-là, chemin de fer. Chemin de fer. Et chemin de fer. Très bien. Sur ce, merci d'avoir regardé. On va continuer la prochaine fois. Là, on a capturé Cusco. Encore une fois, ça me paraît être une bonne étape. Bonne occasion de terminer la vidéo. L'objectif pour la prochaine fois, que Cory... Là. Et puis, bah, choper cette ville-là sur un traité de paix. Et puis là, on a un joli petit croissant de ville. Et puis lui, bon, bah voilà, ça y est. Il est dans les choux, lui aussi. Même Boadicier est supérieur. D'ailleurs, ils ont toujours pas fait la paix, je crois, avec... Ouh, merde. Ah bah, ça, c'est une... C'est pas une tip-top surprise. C'est pas une surprise géniale. De voir que Édimbourg est en train de tomber. Ça va poser quelques menus problèmes. Peut-être. On verra bien. En tout cas, encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser des petits pouces vers le haut, vers le bas, à laisser des commentaires, à venir sur Twitter ou sur Facebook. Et moi, je vous verrai toutes et tous très bientôt sur le Chowies Gaming Show. Ciao, ciao.